Alors, on joue pas mieux qu'avant? Hein? C'est qui le PGM maintenant? C'est moi! On a perdu la save, donc on recommence. Ça, c'est un bon message de la modération, ça. Voilà. Merci, Flo. Alors, difficulté standard. Difficulté standard. Par défaut. Alors, on peut mettre les masques à la con. On va pas le faire. Mode graphique. Par défaut. Démarre une partie. Peut-être qu'on va avoir des lags aussi, hein, parce que 16 Go de RAM, même si ça a été un peu petit. On va voir quand même si le détartrage du PC lui aura fait du bien par rapport à ça. Bim! Et ils font pas chier. Ah, ça fait plaisir. Enfin, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Appuyez sur n'importe quelle touche pour jouer. C'est moi. Je monte un peu le truc, hein, en fait. Hein, c'est un peu bas, je pense. Voilà. Ah, j'avoue, Yoko. Fait bizarre de te voir aussi, j'espère que tu vas bien. C'est si bien fait la main et en même temps ça me dégoûte. Parce que vous voyez, la peau qui bouge comme ça. On va tomber, Yoko. Ah, Didine, la joie d'avoir des enfants. Les enfants sont merveilleux. J'adore la musique d'ambiance avec la scène et tout. Hein. Elle est vraiment folle. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? La transition est tellement bien faite, à chaque fois je me rends pas compte que la cinématique est terminée. Et coucou Frelon. Et bonsoir Aline. Incroyable du cul. Merci pour le raid, c'est très gentil à toi. J'ai pas le bouton je crois. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le bouton. Alors attendez.
Je vais lancer la source ou pas? Bonsoir Lauren, merci beaucoup Aline d'avoir pensé à la chaîne pour le raid. Vous n'avez rien vu. Fougère interstellaire. Sa connexion de fibre. Son œil de chibre. Da. Chut. Ils auront une seule fois. Voilà, c'est configuré à la sub. Hello, le bouton. Son œil de chibre. Merci Aline pour le raid. T'étais sur quoi ce soir? J'espère que tu vas bien. Installe-toi. Nous sommes sur Silent Hill 2, le retour de l'avant-première du début du jeu. Puisque avec mes réparations de PC, j'ai perdu la save du jeu. Enfin, du coup, j'avais perdu une grosse partie de la save parce que le... Comment ça s'appelle? Le cloud a fait n'importe quoi avec mes sauvegardes. Donc, franchement, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Du coup, le speech du jeu, je vous rappelle, nous sommes James. Nous avons reçu une lettre de Marie, notre femme, qui est décédée depuis 3 ans et qui nous reparle de la ville qu'on appréciait tant. De Silent Hill. Hop, la photo de notre femme. Et du coup, donc, on est venu examiner ce qu'il en était, en étant quelque peu dubitatif par rapport à ces informations. Dans mes rêves agités, je vois cette ville, Silent Hill. Tu m'avais promis de m'y ramener un jour. Tu ne l'as jamais fait. J'y suis seul désormais dans notre lieu à nous. Je t'attends. Donc ça, c'est la phrase qu'on a entendue dans la tête de James au début. Celle de la lettre de Mary. Sur DBD, ah, ils ont mis en mode 2 versus 8. Sérieux? 2 tueurs contre 8 survivants? Ah, c'est marrant. Et ça s'est passé comment? Est-ce qu'ils arrivent à faire un équilibrage avec ça? Parce qu'en vrai, il y aura forcément des survivants qui vont survivre, mais en même temps, vu que t'as 2 tueurs, est-ce qu'ils arrivent à faire des points? Je sais pas. Je suis curieux. Bon, le jeu aura des problèmes de performance tout le long. Ça, on est au courant. Il y a eu le patch d'optimisation AMD qui devrait peut-être faire légèrement le taf. Pour autant, ce sera toujours la merdouille. D'ailleurs, j'en profite. C'est là, je crois. En fait, faut mettre 30 FPS. Faut mettre 30 FPS et monter les graphismes parce que c'est optimisé console. Du moins, si vous n'avez pas une 4080, une 4090, etc. quoi. Et que vous êtes en live. Ça sent le tueur qui campe un point et l'autre qui va à la chasse. Ah, j'avoue que... Ouais, c'est... Les petits cailloux. C'est assez équilibré, mais c'est le bordel. Ah, faut que les gens s'habituent, c'est très fun. En vrai, ça peut être marrant. Hein. J'aime bien l'idée. Par contre, tu dois avoir des combos de tueurs infâmes. Ouais, je vois, ouais. Il y en a un, il prend Booba. Voilà, ça il attend tronçonneuse au niveau des crochets. GG Yoko et Sonic pour les level up. On a l'emplacement de sauvegarde. Alors ça c'est une sauvegarde manuelle, c'est ça. Hein. Remplacer. Hop. Bah c'est un des... Enfin, ouais. Quoique tout le monde n'était pas du même avis. Moi, il y a longtemps, il semblait que c'était quand même une des meilleures tueuses du jeu. A tier, voire S tier, si t'étais très fort avec certains perks dessus, quoi. Ah ça y est, c'est fini. On a obtenu la dernière récompense sur l'Event Phasmo. Donc nous rencontrons l'une des protagonistes du jeu. Une des 3 personnes, 4. Oui, 4 personnes qu'on va croiser tout le long. Excuse-moi. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it.
And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. Why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Alors du coup, t'étais parti pour Phasmophobia, donc c'était terminé. Il faudrait que j'aille cliquer sur la statue, j'imagine, pour avoir le trophée. Sur l'hôtel, sinon je l'aurais pas. Alors, je pense à le faire. Hop. Yes. Et porte de l'église sont fermées. Bon, j'irai voir ça, ouais. Ah, bravo à tous hein, pour cet event. Incroyable. Il était. Bon, la lune de sang, c'est marrant. La lune de sang, c'est rigolo. Le reste de l'event, bon. C'est quoi l'event d'Halloween de Phasmo cette année? Oh, jouer au jeu. Beaucoup de fois. D'accord, merci. Je suis le pire, je sais. Ouais, ça, c'est bien. La lune de sang, c'est cool. Et l'interface graphique, elle est plus jolie avec la sortie console. Voilà. Alors ces ralentissements, je les avais déjà à l'époque, hein, ici. Hein. Faut juste... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, attendez. Que le Steam, il est pas en hors ligne, je crois. Bon, en tout cas, je vois les gens se connecter, ça me gave. Hop. Toc. Et je peux peut-être faire un petit check-up de ça. Bon là ouais le truc c'est que comme je suis qu'à 7Go de RAM, ça me fait peur hein, par contre hein. Le PC il est en PLS hein, il est à fond. Ça c'est normal hein. Tant que j'aurai pas racheté de la RAM. Peut-être que je fais un peu le fou en me disant j'y vais comme ça hein. Défi Apocalypse, Gold, Sunny Mido plus Lune Rouge, aïe aïe aïe. Ah oui j'avoue que si tu tombes sur ce climat là. Il y a toujours des zones de chargement comme ça. Peut-être qu'il y a trop d'éléments à l'écran, ou alors c'est parce qu'il y a des sortes de paliers de chargement de zone qui font que. Il y a ces soucis techniques. En vrai, vous me direz que les 32Go de RAM, sur l'optimisation, il y avait les mêmes problèmes. Hein. Donc tu n'auras pas racheté de la RAM, ça va RAM. Bah ouais, et encore, je vous dis, bon, c'est sûr que ça aide pas. Hein. Mais est-ce que c'est la cause ultime? Je suis pas certain. En fait, tant que c'est des trucs comme ça, ça va. C'est chiant, mais ça va. Le problème, c'est que quand on était dans la prison, justement, sur la fin du jeu, il y a un moment, en fait, j'ai l'impression que il y a un chargement d'informations qui se décharge pas, qui fait qu'à un moment, ça sature de fou, quoi. Et le PC, on peut plus, quoi. Je suis pas allé... Parce que là, on a cette porte qui est fermée, très bien. J'ai pas moyen de faire le tour ou quoi que ce soit, on est d'accord. Hello. Ah bah si, regardez. Anyone in here? Quoi, j'ai bien fait de checker. Ok. Donc là, on a des clés. Clés d'autopart, donc c'est pour ressortir. Oh, la dame sur les calendriers. Bonsoir, madame. Comment allez-vous?
Placard vide. Ouais, que je sais pas si c'est volontairement vide ou si parce qu'on est en normal, du coup il y a pas de ressources à ce moment-là. Peut-être l'un des deux. Ouais, ok. Et ça me ramène là. Ah, est-ce qu'il fallait que j'aille là d'abord? Ah, il me fallait les clés absolument. Nice. Et heureusement qu'on a fait le jeu il y a pas longtemps. Hein. C'est bien, je redécouvre les choses de manière perpétuelle. Écoute chérie, à mes yeux tu seras toujours magnifique. C'est vrai? Oui, chaque jour je redécouvre une nouvelle femme. C'est l'avantage de ne pas avoir de mémoire. Et blême! Je crois que je peux pas casser hein, tant que j'ai pas l'arme, ouais, c'est ça. Petit son là. Après, il y en a qui diraient que le. Vous savez, le brouillard. Il n'est pas autour de votre personnage, il est poussé. Mais IRL, ça fait ça le brouillard. Hein. Il y a toujours un halo autour de vous, vous voyez, et quand vous avancez, ça fait une vision, et c'est assez étrange comme sensation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. No parking. De toute façon, là, mon gars... la gueule de la zone, on va éviter. Hein. The Road Runner. Soir. Les boîtes aux lettres américaines qui ne ferment pas. J'avais jamais fait le rapprochement par rapport à ça, mais il est vrai que leur truc, enfin, vous avez accès au courrier quand vous voulez, quoi. Alors, je peux aller par là, mais il n'y a pas un truc à voir, non? Que nini. Le plan. Ok, donc avec l'info comme quoi c'est barré là-bas. Très bien. Là, hop, la touche pour appuyer, ouvrir la carte et tout. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller par là? Alors, en vrai, allons checker. Bonsoir. Bah, ça ajoutera l'info sur ma carte. Ah bah alors là, je t'ai dit non, non et non. It's not here. Bien wesh, Nadège. Bonsoir. Le magasin de Flore. Allô. Oh le petit papier. Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches et tenté de lui dire que cette association portait malheur. Mais il n'arrivait pas à se décider, il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. Or bien. Le papeur. Message de chez la fleuriste. Moi, je vous assure que les serres auprès de chez moi sont aussi bien entretenues. Oh. What is this? Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, qu'elle ne sera pas là tout à l'heure. Elle a des problèmes mensuels. La petite dame. Bon, fort bien. Allons voir ça. C'est très bizarre dit comme ça. Ouais. Ah oui, ça reste truc en chantier. Des bisous Daffy, merci beaucoup. Ciao ciao. Mais ça va jusqu'ici? Ouais.
là y a rien. Que ça m'ajoute les notes comme quoi c'est fermé. Non, que dalle. Waouh. Salut Aka. T'as super et toi? Le retour des monsieur Sackman. Ils vous ont manqué. Je sais qu'ils vous ont manqué. Hey. Wait. Where are you, monsieur Sackman? I'm Sackman, skibbilibiling dumbalambop. Dumbalambop, skibbilibiling dumbalambop. Dumbalambop. Y'a pas de raison que ça se passe mal. Franchement, pourquoi ça se passerait mal? Un petit barbecue. Non, c'était pas là. C'est là. Hello? Ok, très bien. Si seulement il pouvait faire ça tout le long du jeu. Ok. Regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc. Ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. Comme le trou dans le garage. Non, c'est un jeu normal. Mon pauvre Aka. Vas-y, on les fait dans l'ordre. J'ai perdu ma sauvegarde. Voilà, suite à la réinstallation PC, mais tous mes problèmes techniques. Voilà, parce que le cloud a fait de la merde. Que pour ce jeu-là. Le pourquoi du comment, aucune idée. Ça m'a bien gardé des données, mais ça m'a donné des données au pif, paumées. C'était très bizarre. La petite potion. Comme j'ai envie de vous le proposer quand même, je me suis dit, bon, quitte à avoir une vieille save qui sert à rien, autant tout refaire, quoi. La petite radio pour dire qu'il y a les méchants muscles. Faut que je me prépare à dodger tout. Hein. Allô? Ah ouais? Il y a peut-être des problèmes avec le cloud tout court sur ce jeu. Je serais mieux de garder les fichiers à chaque fois de côté. I'm Sackman, skibidi-bidding dumbalambop. Dumbalambop. Skibidi-bidding dumbalambop. Elle a l'air bien ta soirée, est-ce que je peux venir? Alors, on joue pas mieux qu'avant? Hein? C'est qui le PGM maintenant? C'est moi! I'll be back! Et je suis vraiment pas commode!
Hop là. Et là, on a une seringue. Voilà. Les méga soins. Bravo. Et là, Cupwick. Bim! D'ailleurs, Eka, elle a eu beaucoup de lag, Crystal, sur son let's play. Hmm. Je sais pas si ça a l'air d'être la voix de sa femme, hein, mais j'ai un doute, mais je pense. Quoi qu'elle a dit James ou Jack, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais? Bah là, le fait d'avoir reboot le PC, mon PC détecte directement dans le jeu. À un moment, sur OBS, il fallait que je passe par. Fenêtre précise. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc ouais. Non. Ah, mais le jeu, il y a eu. C'est dommage. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien le jeu. Je sais que le gameplay, ça m'avait surpris au départ parce qu'on est vraiment sur un gameplay similaire. Avec des options d'ergonomie hein, du jeu d'origine. Il y en a qui aiment pas, ils trouvent ça trop mou. Encore une fois, on n'est pas sur un Resident Evil, on est sur Silent Hill. On est bien plus poussé autour d'un lore qu'autour du gameplay action Nilibars. Donc ça nous donne une info comme quoi faut qu'on aille là-bas. Et moi, franchement, c'est ce qui fait que j'aime Silent Hill. Le mystère est un peu léger, il est vrai. Mais l'ambiance est incroyable, les persos sont très stylés, l'histoire est cool. Si vous lisez, ceci, fuyez, cet endroit n'est pas ce qui paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Behind. Fuyez. Run away. Viens là, homme vagin! Bon, il est parti. Hein. Franchement, les gars, ils voulaient juste passer une bonne soirée. Pourquoi on va les déranger? Le réveil est un peu compliqué le lendemain de cuite, mais. Je suis sûr que c'est un bon gars. Chacun sa passion. J'ai eu du mal au début, ouais. Encore, il y a un système d'esquive qui fait que pour un survival horror, ça va, c'est plutôt bien amené quand même. Mais il y a des passages, il y a tellement de mobs, c'est un peu chaud aux patates. Ah, on les trichote avec cette arme là, ok. Texan, yeah! Police me, get down! Put your hand on your heel! Ouais, au départ, j'en avais pris plein la gueule et j'avais plus aucune ressource et j'ai galéré. Je l'ai encore vu, du moins, je le crois. Il dit que c'est faux, mais je ne sais plus. Je suis KO. Je ne trouve pas, peu importe. Encore ce bruit de grattement. What? Quoi? Hein? Allô? C'est tout? Ah, je crois qu'on avait loupé cet endroit la première fois. Possible. J'ai pas souvenir, en tout cas. Bim! Et le carré, c'est pour nous dire qu'on avait un point de sauvegarde là-bas. Ah, c'est ça le café? Non, c'est pas celui-là. Si? Non, c'est pas ça. Ah, c'est un bar. Kéfir ressemble pas du tout à ça. Putain, je vois que Pouic. Hein. Hop là! Un sou est un sou!
Ah, il est où? Comment il a essayé de me goumer? La sale bête! Y'a un truc par là? J'y vois comme au fond d'une pelle. Ma lampe me manque. À discuter devant une tasse de café, ça vous un moment, ça vous des souvenirs. Pub incroyable du cul. Hein. Donner un coup de ki au marketeur qui a fait cette pub. Bah après, j'ai laissé par défaut le réglage. Quand on aura la lampe, ça ira. Faut juste qu'on chope la lampe. Nice. Donc on a récupéré ce qu'on voulait. Est-ce qu'on peut passer par ces petites ruelles? Ah oui. Bonsoir. J'ai pris le dégât. Oh le cheat code. Il a triché. Il m'a touché. C'est le rétro, comment vas-tu? Des bisous, c'est très gentil à toi. J'espère que tout va bien. De ton côté. Donc je voulais arnaquer le monstre en le tapant le temps qu'il passe la fenêtre, mais quand il est trop en haut, on prend le hit. Ça c'est pas gentil. Hein. C'est un peu méchant ça. Impem. La porte est fermée à Cled. Tout est fermé, mon Jou. Voilà. Des bisous. Et on pouvait aller en face. Ouais, c'est ça. Bonsoir. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine. Après une étude soigneuse, une étude de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Whistler, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi exprimé ses pouvoirs de recherche pour pousser et d'exploration de la gorge. Cependant, ses espoirs n'ont pas abouti. Oui. Le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas, a déclaré l'un des chercheurs. Malheureusement, aucun représentant local n'est disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur, au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiesthésie et à l'efficacité des méthodes des sourciers. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. Très bien. C'est quoi ces placards vides là? Oh lolo. Ça, c'est ce qui me chagrine le plus sur le fait de refaire le jeu. Non, c'est dommage, je suis motivé, hein. Mais ça, vous savez ma politique, hein. Un jeu moche mais qui marche vaut un jeu joli qui lag. Le fameux Konami Code fonctionne sur... Ah, je sais pas du tout. Probablement, j'ai envie de dire. C'est entre toi et moi, Michel. Pam 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 balam balabalabalabalabam. Here's Johnny! Ah,
C'est ce qui s'appelle se prendre une Michelle Rodriguez. Forcément, bon, même si l'arme elle est pas ouf. Le fait de taper des clodos et pas se taper des infirmières doublées avec des femmes vagins, tout de suite c'est beaucoup plus simple. Et la première fois qu'on avait fait ce passage, c'était horrible. Salut mon pote! Ah les bâtards! Mais non! Tout est sous contrôle. Comme je disais, le fait d'avoir refait le jeu et d'affronter les clodos, c'est tout de suite beaucoup plus simple. N'est-ce pas? Bien. N'ayez crainte, je suis un professionnel. Bonsoir. Bonsoir. L'homme était encore là. Je lui ai rappelé qu'on lui avait déjà dit de ne pas revenir ici. Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. En tout cas, il s'est levé, puis il est parti. Il n'a pas fait d'escandre, mais quelque chose en lui m'a fait peur. Quand j'observe son visage, j'ai l'impression de voir un masque. Il y a quelque chose en dessous qui n'attend que de sortir. Je ne veux pas être là quand ça arrivera. Ah, la potion. Bien. C'est bien ça. Allez! J'aurais pas dû insister comme ça, mais... J'étais là il y a 3000 ans. T'arrives pas au meilleur moment, mon cher Ellie. Comment vas-tu? Bonsoir, merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a un œuf comme dans 69. Ça fait super. Ça veut bien arrêter de laguer dans cette maison ou pas? Non. Non, là on est dans un secteur du jeu que le jeu n'aime pas. Oh, c'est un enfer. Hein. Comment vas-tu, Ellie? Merci beaucoup. Est-ce que ça veut se stabiliser? Super, et toi, bro? Petit souci technique? Oui et non. En fait, j'ai que 16 Go de RAM, parce que j'ai pas remis la barrette de RAM en plus. Pour éviter des soucis... de hardware, tu vois. Donc forcément, la limitation de RAM gêne un peu. Mais même au-delà de ça, le jeu lag du cul de base. Ils sont censés avoir fait un patch, j'avoue que j'ai pas vraiment vu la différence. Et là, tu vois, le jeu va tourner et après, il y aura des moments, suivant l'endroit ou pas, qui va relaguer, ce qui est un chargement de zone, je sais pas. C'est. On avait la première fois qu'on a fait le jeu, on avait les mêmes problèmes à cet endroit-là. C'est un jeu ou des images? Voilà, c'est un peu les deux, quoi. C'est vraiment le bémol du jeu, hein. Le jeu est bon, enfin moi j'adore ce jeu. Mais les mecs savent pas faire coder un jeu. C'est fort dommage. Bon, alors pour le monstre, j'ai un peu bourré comme un marsouin, mais comme faut 4 coups pour le tuer normalement, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il a tanké comme ça, le saligo? On peut pas aller là, si? Non. Ah, quoique. Non. Y'a un élire en air. Du coup, Ellie, je suis désolé. Hein. Je suis à la ramasse complet. En fait, j'ai dû réinstaller. J'ai fait 4 heures de route hier. Aller-retour, deux fois. Réinstallation Windows, du PC, tous les machins, etc. J'ai tout qui fonctionne, sauf que j'ai perdu la save de Silent Hill, donc je dois tout refaire. Donc je suis un petit peu en galère. On est à ce moment-là de ma vie où faut que je garde la pêche et l'abricot, quoi. Parce que bonjour mademoiselle, ma vie c'est de la merde.
Bah non, ça me fait chier. Ça me fait chier, mais... Faut que j'avance sur mes trucs. J'ai des projets, là. Faudrait que je t'en parle, d'ailleurs. Nous, on veut aller, c'est au... Le bar qui est un peu en bas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu le bordel. Déjà, j'ai eu du bol de pouvoir le récupérer aussitôt et pouvoir faire la réinstallation. J'ai pas eu de problème d'erreur, mais de toute façon, on verra sur Gladiator Game Manager. Le moment venu. Bien jouable. GG Frelon pour ton level up et Daffy pour le niveau 105. Ouais, le seul truc que je vais faire, parce que c'est en train de me casser les pieds, c'est tant pis. Et si ça change rien, voilà, je... On peut rien faire de plus. Il est où le bouton? Je vais pas m'emmerder avec les graphismes sans s'étendre, j'avais déjà eu le problème. Voilà. Si ça fait tourner le jeu, écoute, let's go, on verra. Mais pour moi, ça change rien. J'espère qu'il va pas y avoir de soucis pour Guild. Bah je sais, hein, j'essaye en tout cas. Parce que de toute manière, que ce soit Guild ou autre chose, hein, parce que Phasmo, j'ai même eu des plantages sur Phasmo, il dit, tu vois. Et This is a Ghost a fonctionné, d'autres jeux ont fonctionné, mais Phasmo plantait. Parce que les jeux Unity, mon PC veut plus. Non! Ah ouais, en fait, si je leur tape dans le dos, ils tombent direct. Enfin, ils vomissent. Y'a peut-être ça qui joue. Salut Steven, merci beaucoup pour ton resub. Ça va super, et toi? Allez, on rentre. On a une note. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis à éclater ses trucs. J'ai dû le jeter dehors, il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Let's go Groovy, baby. Bon, j'aurais peut-être allé voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie, appartement 9. Je crois que c'était un peu le bousin là-bas, dans mes souvenirs. Du coup, on n'a pas accès encore au... Merci à vous tous d'être là hein, ce soir, malgré ce jeu qui est très sympathique, mais qui lagouille du cul et tous les problèmes PC que j'ai eu ces dernières semaines. Ça a été très compliqué sur plein d'aspects, et moralement assez difficile, je vous le cache pas, surtout quand c'est quand vous avez envie de faire des choses propres, que vous êtes investi et que c'est votre activité principale. Bien entendu, blablabla. Un demi-vinyle. Ben je sais pas du tout, Flo. Je sais pas. Après, bon, ça vient de mon PC, hein, parce que les gens savent pas coder des jeux et Unity peut poser problème. J'entends. Mais au vu des problèmes que j'avais, hein, c'est... Fallait trouver une certaine solution quelque part. Oh non ! Je vais me faire un naked. Mais vous savez, hein, les hommes vomis, je les aime pas trop. Hein. Les hommes vomis, ils ont un pattern avec le coup de tête ou le vomi qui me dérange un peu. Je préfère les femmes vagins. Largement. Bon, après, il y a les femmes vagins de l'espace à la fin qui sont pas mieux, mais bon. Ok. Toujours une description détaillée hein, du bestiaire du jeu. Vous avez une faim de loup hein, c'est oui. Plus fort que vous. Ma femme elle dit souvent. Foncez. Happy Burger. On a ce qu'il vous faut. Vous êtes pressé. Prenez en portée. Vous avez un doggy bag. Faut qu'on essaie de jouer à l'écho quand même. Waouh. Ouh. Ah ah.
Monsieur le vomi. Bonsoir. Je suis Bob Lennon. Salut Michel, comment vas-tu? Michel, forever tonight. Ok. Ah mais c'est bien, hein. Finalement, on joue mieux, mais... voilà, redécouverte ou pas, j'en prends plein le fion et ça reste comique. C'est bien, c'est bien, la tendance se répète. Bonjour et bienvenue dans le Hardcore. Bonsoir et bienvenue dans le Hardcore. Vous êtes là pour échanger un exemplaire de Mass Effect 3, bordel de merde. Ouch. Et qu'est-ce que je fais de cette info en fait? Il y a un placard. Ouais. C'est bien. Bravo. Non, c'est pas ça que je voulais. Mission. For me burn tonight. Ici c'est l'Hard Corner, on vend que des trucs durs. Pour les trucs mous, c'est chez la pédale en face. C'est qu'on la ref du Hard Corner dans le Visiteur du Futur, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Bien wesh, bien wesh. J'étais en train de l'écrire. C'est quand j'étais en convention, je parlais avec des potes et à un moment, je prends cette voix pour faire un truc et je vois qu'il y a deux gonzes derrière qui se tapent une barre en mode genre, qu'est-ce qu'il fait ce con? Excusez-moi, nous intermittents du spectacle ont du talent. T'es là? Ah ouais, c'est là, il me rappelle. Alors, les cafards font des dégâts, hein. Je crois qu'il est à l'étage. Ah non, il y a ça à pousser aussi. Ah, ouais, non, les femmes vagins, c'est plus tard, c'est avec Pyramidade et tout. Appartement 5, a laissé sa clé, fuite qui viendrait d'en haut, à vérifier. Ok. Il a laissé sa clé. On n'a pas la clé. Ah si, elle est là. La clé de l'appartement, très bien. Y'a pas du loot. En vérité, dans mes souvenirs, il y a des lags dans appartement et prison, mais dans l'hôpital, ça allait, je crois. Il me semble. C'est uno cafard. Cafardo de Caprio. Appartement 4. Appartement 5. Michel. Ouais, bah, j'avoue. Après, il y a les rats de cafards hein, dans Fallout. Hein. Ils font pas la même taille. Hein. Ok. Waouh.
Et c'est qu'on va avoir le gun, non? On vient d'où? De là, nous. Ouais. Ok. Oh. Et puis apparu à tout balayer, ma vie a commencé à retrouver un sens. C'est ces endroits, je ne peux pas lutter. Je dois avoir l'esprit clair. Arrêt. Rapide au Texan. Puis on part. Alors du Texas. It's my country, motherfucker. Il y a un patate sac poubelle dans le coin là. Wow. Allô? Allez jusqu'au fond, monsieur. Penchez-vous et toussez. Le 2. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qu'on cherche, c'est le bouton. Ok. Il y a quand même un gros problème de trou. Hein? Ça a pas l'air très très adapté pour passer l'hiver, votre logement, monsieur. Escalier qui sert à rien. Ah si, on peut descendre là. Et hop là. Alors ma carte. Il y a le Groovy Music en face. Voilà, et on va là-bas et après on aura le... notre truc là. C'est bien par là, hein. Sans orientation dégueulasse. Oh, je la chante depuis hier soir, hein. Je l'ai en tête. Forcément. En vrai, les hommes sacs, on peut les dodge, hein. J'ai pas besoin de tous les goumèdes, hein. C'est quoi ça? Oh, on a déjà été là-dedans. Le restant de Lucy et Jake. Non? Ah non. Ah non, c'est le truc qui est fermé, ok. Et où ton magasin? Qui est de cocktail? Fashion? Dirt cleaner. Bah c'est là. Vu. Au moment où je mets la carte, je vois les CD. Bonsoir. Il y en a un autre, je crois. Viens là. On va se mettre mal, mon copain. Ah ouais, non mais c'est ça, Michel. On m'appelle la Loop Machine. Oh le bâtard.
Bim! Voilà! Tiens! Tu sors, je te sors! Ah, mais y a quand même un progrès au niveau du skill. Je dis ça, mais Dead Rising, on avait tout fait en one try, vous savez, pendant ce bâton. Il reste la fin. Quand je vais devoir faire le final du jour 4, après ne pas avoir joué au jeu pendant 8 ans, ça va pas être très beau, hein, je pense. Hein. La colle et le CD, le petit vinyle. Et là, on nous apprend, hop, objet clé. Hop. Et bim. La musique peut faire revivre ces moments fabuleux que vous passiez perdus. Merci pour cet indice très cryptique. Non. Oublie-moi! Et redidine! Me and Schwell, for we run tonight. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous? Danjou, d'arrêtez de me dire! C'est vraiment arrêté pendant 6 ans, moi, genre. Je vois quoi, mon chouf de milieu, s'il te plaît. Je viens d'entendre le quatrième mur exploser. Je sais même plus ce que j'ai dit. Vous pouvez remettre le contexte, s'il vous plaît? J'ai pu. Ça date d'il y a au moins 20 secondes. Hein. En fait, faut tourner ça. Hop. Hop. Voilà. 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 Oui, c'est moi. C'est Michel. Pour l'indice, obvious. Ah oui. Le bouton. C'est. Ça doit être ça. Bim. Et là, vous trompez, vous utilisez votre pièce et c'est mort. Ah, c'est ta affaire là, comment j'avais insisté pour ça. Just the two of us staring at the water. Tente un truc, hein.
Ok, donc on a la clé. Nice. En vrai, je pense quand même que si je remets la RAM pour les cinématiques et tout, ça va changer quelque chose. Hein. Quoique... J'avais pas souvenir que ça avait lagué à ce moment-là. Enfin, pas dans la cinématique en tout cas.